Le territoire de Sekibanza est une subdivision de la province du Congo central en République démocratique du Congo, ayant comme superficie de 3630 km², avec une population estimée en 2016 à 274 418 habitants. Cette entité est habitée principalement par quelques tribus des ethnies Congo, à savoir le Manyanga, le Yombe, le Vungu et le Mboma. Ils sont essentiellement rurales. Le territoire compte quelques centres urbains tels que Kinzamvwete, Inga, Kwakwa, Lukimba, Sumbi, Sanzala, Batasiala et autres. C'est dans ce territoire que se trouvent les barrages hydroélectriques d'Inga, parmi les plus importants d'Afrique. Mais la quasi-totalité de cette partie du pays est plongée dans le noir. Avec ses 5 secteurs et 28 groupements, Sekibanza est un territoire agricole. La principale source des revenus des communautés locales reste l'agriculture et le petit commerce. À Kinzamvwete, la population est obligée d'avoir un peu d'argent pour s'acheter de l'eau. Monsieur Georges est le propriétaire de la pompe qui permet aux habitants du quartier Masiala de s'approvisionner en eau.
Agnès Sunda, ancienne du coin. Elle gère les centres de promotion sociale catholique des Kinzamvuété depuis 1991. Cette auxiliaire de l'apostolat et son équipe encadrent les enfants désœuvrés. Centre de rattrapage scolaire. Alors nous avons là-bas les enfants qui font des TENAFEP. Nous avons niveau 1, niveau 2 et niveau 3. À niveau 3, ce sont ces enfants qui font les TENAFEP. Alors ces TENAFEP, là, quand je vous dis aujourd'hui, qui est plus ou moins 10 ans déjà. Mais j'ai tous les certificats là-bas. Les enfants ne viennent pas chercher. Donc après ça, les enfants disparaissent, on ne les voit plus. Nous avons aussi l'autre section là, les coupes et coutures, où les enfants apprennent les métiers. Ces métiers-là pour vraiment qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie. Mais ces enfants n'ont pas assez de matériaux, comme des machines, il n'y en a pas. Parfois, l'enfant qui vient ici, il n'a même pas une aiguille pour coudre. Même il est au niveau de aiguille. Dans le temps, le centre achetait tous ces matériaux-là pour aider les enfants. Mais aujourd'hui, le centre n'est plus à mesure de faire tout cela. Puisque pour l'homme, c'est ça. L'agriculture, nous le faisons. Les enfants, chaque classe, on faisait le partage des champs derrière nos bâtiments ici. Chaque maîtresse avec ses enfants, voilà la place pour semer les arachides, pour semer les soja, pour semer les maïs, même les maniocs, nous avons fait ça. En tout cas, l'agriculture, dans les centres, c'est comme ça, puisque nous pouvons semer les soja. Les enfants doivent apprendre comment faire les boulettes. Les enfants doivent apprendre comment faire la sauce de soja. Donc dans les soja, nous apprenons tout aux enfants. Mais surtout par le manque de toujours les moyens qui ne concordent pas avec ce que nous pouvons faire auprès des enfants. Je reçois beaucoup de gens qui viennent nous voir, nous donnons nos doléances, mais maintenant nous ne voyons aucune personne qui revient à nous voir que voilà quand je suis passé, vous avez dit ceci et voilà maintenant je reviens pour aider la population. Quand nous n'avons pas de matériaux, nous n'avons pas aussi de moyens financiers, puisque tout ça, ça concorde avec pour que ça aille de vendre. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, quand je dis des moyens, les matériaux, nous n'en avons pas. Des machines, nous n'en avons pas. Même des tissus, on n'en a pas. Il y a des enfants qui n'ont rien, absolument rien. Donc, ce que je demande toujours, si quelqu'un de bonne volonté, pour aider ce centre, puisque ça a demandé beaucoup dans le temps. Les enfants, plus de 300, récupérer tous ces enfants, 300, 250 chaque année pour diriger, pour faire avancer tous ces enfants. Si vous n'avez pas de moyens, impossible. C'est comme ça que nous avons mis les champs dans ce centre pour que ces champs aussi aident à acheter des tissus, à acheter des fils, à acheter tout ce qui peut nous aider. Pour les comme matériaux. Dans différentes écoles de la place, on apprend aussi aux enfants à faire les champs. Parlant de l'histoire de l'humanité, rares sont les pays ayant connu une croissance économique rapide sans que ces progrès aient été précédés ou accompagnés du développement de l'agriculture. Les statistiques commerciales traitent l'agriculture comme une activité économique parmi tant d'autres. Ces bas-fonds des Kinzamvuété est propice pour la riziculture. Le tronçon Kinzamvuété-Sekebanza que nous avons emprunté pour arriver au chef-lieu du territoire est un véritable casse-tête pour les communautés locales. Cette route qui n'est distante que de 22 km,
ça sera vraiment un calvaire pour la population et un parcours du combattant. Et ça sera vraiment difficile dans la mesure où c'est la population qui va en pâtir, dans la mesure, je disais, qu'on ne saura pas évacuer les produits agricoles et il n'y aura pas de véhicules qui peuvent entrer ici pour faire sortir la marchandise. Ce qui fait qu'à cause de l'embourbement, c'est une route un peu étroite, n'est pas tellement large. Et donc, dès qu'un véhicule s'embourbe, c'est qu'il n'y aura pas de passage. Je ne dis pas de passage, donc c'est la population qui va vraiment souffrir. Bilanga kengolo metena kima kena sabe to pass ndenzila. Nzila lekena sa bilanga selo beto kengolo na bilanga me nzila le tolo yangena mon. Avoka e doke. Nge mona ya. Donc yake koni mingi me mwaende donc ya kubimsao donc yake ve. Mhm. Yaande betena lomba letani sarisa beto frem. Ani sarisa beto ani mona beto kiadi. Dans le village Kilimbikisa, Messier Alain Diakoula a fait sa récolte de maïs. Pour ma activité principale, c'est le bilan. Alors, je suis là, 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 et puis, Banguba, Madezu, c'est, en tout cas, c'est vraiment avec généralité. En tout cas, moulenda l'homme n'a pas fumé ou soit tu l'enda parce que moi n'a tout banakou bankango. Et quand on a village qui l'a servi mais mouleba ka groupe manios et bien tu as mumba. Si l'État l'enda ka raisonné bien tu n'as pas organisé mon supply qui est peut-être moi association n'a cadre et appui financier. En tout cas, il y a qui aide bien tu ça mon évolution bien tu ça la grande quantité ça va prendre bien tu peux va bénéficier de yao ça me met mais quantité mais tu me connais un peu fournir au marché en ce moment là tout le monde a des marchés qui vendent un peu vraiment équilibré parce que quand marchés qui vendent abondamment donc yao mon accoulement dans l'État congolais vraiment en Libye qu'avait trouvé ahwa c'est qui mange c'est 12 kilos ahwa c'est qui mange depuis que 44 qui n'ja ou c'est qui mange quand on gagne quoi qu'on compte on a mis tiens sans problème parce qu'on voulait nos cafés mais si quand on est vendu comme voulait nos caca vraiment il est nakuma ahwa venant mis tiens et si tout comme les abandis il avait. Donc la route est vraiment impraticable. À part Njila, il y a un territoire, Njila Pekele, il n'y a pas de difficulté. Mais si on a un peu de yaï, comme il y a un principal, il y a quatre, il y a déjà un acquis. Nous, moi, présentement, je suis en matin. Vraiment, par manque d'emploi. Parce que l'emploi, il faut créer. Nous sommes commercialistes, formés. Mais tant que nous avons un cadre, c'est le zing. Mais mon aki, mais quand on a une activité dans ma table, mon aki non. Nous on a vendu dans la ville, on a un camion, on a peut-être des immeubles. Il faut que ça recoure dans la boîte. Il y a un mauvais moment, mais nous avons une activité dans la boîte agricole. Mais on a depuis l'année passée. En tout cas, nous avons vraiment, nous avons retrouvé dans ma main, dans ma boîte. Il y a un mauvais moment, dans la boîte. Ma camarade qui est dans ma ville en général, basse discret inutilement vu dans la ville. Basse la moi bas recours dans ma boîte. Parce que à partir de quoi, je l'ai trouvé facilement. Et puis sans organiser le zing. Il y a quelqu'un qui a fait peut-être que tu vas oublier, non, mais tu vas finir l'état congolais, tout l'état congolais, tout le monde a fait. Mais c'est d'abord vous-même. C'est après 22 km de marche que nous sommes arrivés dans la commune rurale de Sekebanza. C'est le chef-lieu du territoire. Étant natif du coin, Touré Niati nous parle de la vie à Sekebanza. Sekebanza est en train d'être enclavé par des conditions de non-route, des dessertes d'abord agricoles. La cité de Sekebanza, qui est le chef-lieu, est devenue un peu comme un petit village. C'est, l'agriculture fait vivre la cité de Sekebanza. C'est une cité agricole. Mais pour évacuer, donc je reviens toujours à ça.
on sème et on plante tout ici. Cette cité nourrit Matadi, là où réside notre gouverneur, nourrit même la ville de Kinshasa, la capitale. Et là où se trouvent les institutions, donc c'est l'agriculture qui fait étudier les gens ici. C'est l'agriculture. Donc c'est grâce à l'agriculture qu'il y a la vie ici. Si dans la cité de Kinzanvouété, on pouvait encore trouver quelques pompes, à Sekibanza par contre, la population recourt aux différentes sources pour s'approvisionner en eau. Territoire de Sekibanza est très important pour la République démocratique du Congo en général et le Congo central en particulier, car c'est ici où l'on trouve le barrage hydroélectrique Dinga, qui non seulement contribue énormément à l'économie de la République, mais également il est une fierté nationale. Vouloir le développement de Sekibanza, c'est contribuer à l'épanouissement économique du pays.